merci beaucoup pour le QSP avec la station espagnole. C'est très apprécié, Cédric. Merci beaucoup. Tous les bons chiffres tournés de ton côté, de tout l'ensemble du groupe ici sur Gatineau. Et par contre, de tout l'ensemble du groupe sur les canaux, le QSL, Cédric. Voilà, la batterie est changée. Voilà, je suis reparti là pour encore une autre vidéo. Je sais pas comment je vais faire pour mettre tout ça. Si. Disons que ça sera un petit peu plus long. Je pourrais pas les mettre toutes d'un seul coup parce que, comme tu le sais, moi des vidéos de 30 secondes, ça m'intéresse pas trop. C'est plutôt 30 minutes la moyenne, moi, au niveau des vidéos. QSL, tu vois, mon idée, j'essayais de faire des petites vidéos dans les 10 à 15 minutes pour que ça soit un peu plus rapide ici sur le téléphone. Mais les dernières vidéos, je m'ai surpris là, des 25-30 minutes là, de vidéos là, sur les dernières que j'ai pris les jours passés. Tantôt, j'en ai pris deux ou trois vidéos encore qu'on était sur le Upper Sideband. Et puis, je pense que j'en ai fait une ici sur Lima Mike QSL. Moi c'est pareil là. Du coup j'avais arrêté là tout à l'heure là, les vidéos là quand on avait complètement perdu le Québec là sur le sud-ouest de France, et puis voyant que ça revenait bien, ben j'ai recommencé, et puis là voilà, ça continue à filmer. Voilà, j'ai deux batteries. Heureusement, parce que là j'arrête pas, là, tu vois, là je profite du moment présent. Voilà, c'est exactement ça. Je profite du moment présent pour continuer les QSO avec vous, le Québec, hein, et en même temps pour montrer aux gens là sur sur la France ce que c'est que la radio, la CB. Voilà, il y a d'un côté les contacts en AM. Ah oui, et tiens, pendant que j'y pense, ce qui serait sympa, c'est que vous nous montrez ici en France comment ça se passe au niveau de la CB en AM, là-bas, par chez toi. Ça, c'est un truc qu'on ne sait pas. Parce que tu vois, là, ces derniers temps, j'ai commencé à en parler justement avec des stations et tout. À chaque fois, tout le monde est surpris de voir qu'il y a énormément de monde sur la CB là-bas chez toi, là en AM, alors que nous, c'est plutôt très calme. Enfin, c'est très calme à cause du fait qu'en AM, la plupart des gens restent en écoute. Alors, comme je leur dis à chaque fois, quand tout le monde reste en écoute, eh bien, ça fait beaucoup moins de bavards comme nous. Et aussi, les gens sur la CB en AM, chez nous, en France, ils sont un petit peu comme sur Facebook, ils ne vont pas ailleurs que leur canal habituel. Même s'ils ne parlent pas, ils restent sur leur canal habituel comme ça toute la journée. Voilà, donc tu peux rester pendant des heures sur le canal 19 ici en France sans entendre personne. Tu fais le tour des canaux et là de suite tu vas entendre du monde. Et d'un seul coup, grand blanc pendant une ou deux heures, tu vas à nouveau entendre du monde. C'est complètement différent chez nous. Alors ce serait sympa justement si tu pouvais nous faire des vidéos là pour nous montrer comment c'est chez vous. Hein. Ben oui, pas de problème, parce que justement, hier soir, moi, puis Bravo Charlie 3x6, Steve, on était en Alpha Mike pour des tests sur les stations. Mais la seule différence qu'il y a un peu en Alpha Mike ici, le show ici sur l'Alpha Mike ne double pas, mais presque. Ici, l'audio est très très faute en Alpha Mike et sur les fréquences. QSL, Rémi. Ouais, j'ai bien compris, oui. Il y a énormément de monde hein, là-bas en fréquence. Ouais, il n'y a pas de problème, j'ai bien compris ça. Quoi. Avec Stapinoville, qui est pour Bourget, et puis Saint-Étienne, Sarsfield, la ville de Rockland, où habite Charlie Mike.
5001 Jean-Claude aussi. Alors, il y a beaucoup de stations sur le côté Ontario aussi qui fait face à face avec Gatineau et les Outaouais parce qu'on est juste de l'autre côté de la rivière, tu comprends? Ouais, ouais, affirmatif, ouais, ouais, je comprends bien. Hein. Justement, tu vois, c'est ça là, qui nous intéresse, justement, c'est de voir un petit peu au niveau local, si je dis la culture locale, c'est avec de l'humour que je dis ça. Non, mais sérieusement, on aimerait bien savoir, nous en France, comment ça se passe, justement, là, sur la CB locale, là-bas chez vous. Là, La bonne humeur qu'il y a sur la CB, là, tout ça, quoi. Ah, c'est 100% QSL, là, comme tu verras, là aussi, là, ça marche vraiment bien, là. Ok, d'accord. Eh bien, nous, qu'est-ce que je dirais, nous, au niveau local, c'est surtout le matin, le matin de très bonne heure, avant qu'il fasse jour, là, qu'on entend qu'il y a du monde en AM. Quand je dis du monde, c'est pas partout, c'est sur certains canaux. Là, au niveau des mille pattes, voilà, c'est beaucoup ça. Après, vers les 7 heures, il y a quelques stations fixes en AM là, qui arrivent. Et après vers les 8h30 dans ces eaux-là, on a des QRM qui montent, la propagation AM qui monte, là, qui nous font beaucoup de bruit, puisqu'on se retrouve facilement avec des Santiago de 5, Santiago 9 de QRM là, sur le 19 en AM. Alors du coup, s'il y a du monde derrière, eh bien on les entend plus. Quoi. Et par contre, un truc qui marche beaucoup là ici en France, c'est la BLU. Voilà, là c'est le gros des stations fixes qui sont en BLU, un peu partout sur leur fréquence habituelle en BLU. Si tu fais un tour de galette, ben tiens, le matin vers les 7 heures, voilà, si tu fais un tour de galette, tu vas entendre des QSO là, un petit peu partout là, en fréquence là, en BLU. Mais hélas, la propagation à cette heure-ci de ton côté n'est pas du tout ouverte. Ben c'est bien dommage parce que là tu verrais qu'il y a pas mal d'activités là de ce côté-là. Mais bon, ça, si tu fouilles suffisamment loin là dans mes vidéos là sur ma chaîne YouTube, là t'arriveras à entendre ça un peu là de ce côté-ci, quoi. Ouais, QSL, malgré que là, il y a quelqu'un, là, je sais pas si c'est Espagne ou Amérique du Sud, qui est en train de nous chatouiller un petit peu les pieds, là. Ah, chi, mais bon, ça passe quand même. Est devenu tranquille, ouais,
la station qui est derrière est en train de t'appeler. Alors, je sais pas, je vais lui faire un petit retour de micro parce que visiblement, il essaie de t'appeler. Gilles, t'es de quel côté? LSB? Ouais, Gilles, on t'appelle, la station là est en train de t'appeler, je sais pas si tu entends. Ouais, mais je suis perturbé par une station voisine à ce côté-ci, ma moustache un peu. J'entends, mais je peux pas prendre du SO à Rivière-Toile, plutôt pour le PSC. Ok, d'accord, ben je suis pas sûr qu'il parle français. La station, je vais parler plus doucement, là, plus calmement. La station qui appelle Gilles de Gatineau, il ne t'entend pas. Voilà, il ne t'entend pas du tout, il le regrette. Il ne peut pas, il n'arrive pas à t'entendre. Ça ne passe pas là-bas sur Gatineau. C'est Alain de retour 299. D'accord, ok. C'est vrai que moi, de mon côté, il passe très très fort. Les bandes 73, la station, de la part de Rémi, Sud-Ouest France. Ah, j'entends plus personne. Ah, j'ai entendu parler dans le lointain derrière. Les 2713, la station de la part de Rémi, Sud-Ouest France, je ne sais pas qui c'est qui a parlé, c'est très très QRP de mon côté. C'est toi. Affirmatif, ça passe toujours bien, je reste là. Oui, qu'est-ce que t'as entendu les autres stations, Rémi?
Alors j'en ai entendu un très bien, effectivement, là je lui envoie les 213 51 de 14 ODR 002 Rémi du Sud-Ouest France. Là de mais les, j'ai entendu quelqu'un d'autre aussi beaucoup plus petit, mais je l'ai quand même entendu les bonnes amitiés également à lui. J'ai un petit peu de moustache aussi en même temps de mon côté. Hein. Embarqué en fréquence 9 Bravo Charlie 829. Puis il y avait un tantôt encore Michel de ce côté de Ottawa, ou non, où c'était Lefebvre, côté de Lefebvre 707. Fait que c'est ça, mais moi j'entends ça aussi là, un peu de moustache, mais ça arrive quand même dans des bonnes conditions aussi quand même là, Rémi QSL. Ouais, QSL. Mais je crois qu'il faudrait pas que, que je coupe les vitamines, parce que alors là, pour le coup, tu m'entendrais plus, quoi. Ah, je sais pas, tu peux faire le test. Ok, attends, je relâche le micro, parce que là, en émission éteinte de l'Alpha Lima, c'est pas très bon. Voilà, je relâche le micro, je l'éteins, je remonte la puissance du poste, et je te reprends aussitôt. Voilà, ok Gilles, voilà donc, eh bien, là, je suis avec, voilà, j'ai à peu près 18 watts, voilà, j'ai à peu près 18 watts en modulation, en, au coup de sifflet, je veux dire, qui est, c'est pas très épais, là. QSL, je t'entends quand même, là, toi, au coup de sifflet, là, t'es arrivé à 56, presque 57. C'est un peu moins confortable, ce outil-ci. Avec le préampli, ça tient plus à 57, 59, 57, mais toujours bien stable, tu sais. Ah, je te passe quand même si fort que ça. Voilà, attends, je voilà, j'ai jamais la vidéo là sur le wattmètre. Voilà, ok, ouais, bah c'est du. Je suis monté à 18 watts maximum là au coup de sifflet. Ce qui me fait à peu près 12 watts à peu près en modulation. Et je suis étonné que tu arrives encore à m'entendre. Oui, que ça, quand ma vidéo avait arrêté, là, si tu veux reprendre tout de suite, là, puis tu vas voir si sur une des vidéos là, pour le test, là, tu es là. Ok, ben voilà, si tu veux, là, il n'y a pas de problème. Ok, donc là, je suis, pour la vidéo, voilà, je suis actuellement sur un Summer Camp TS 2000DX. L'Alpha Lima est coupé. D'ailleurs, voilà, ok. J'ai quoi, là, je suis à peu près à 18 watts au coup de sifflet, qui me fait à peu près 12 watts en modulation. Voilà, et pour mon QTH, eh bien, c'est le Sud-Ouest France, dans le secteur de Saint-Émilion, Castillon-la-Bataille, voilà, département 33. Voilà, quoi dire de plus, si j'ai l'antenne, une Sigma Mantova 8 Turbo, qui est à 9 mètres de haut, et voilà, pour montrer un petit peu là, comment ça passe quand la propagation est là, quoi. Propagation de notre côté, et puis moi, ma carte de mon téléphone, ma carte SD ici, faut que je fasse un ménage dedans, parce qu'elle est pleine de côté ici, Rémi. De retour à toi, mon ami. Ah zut, là je suis en train de bloquer l'aiguille du wattmètre, j'ai oublié de remonter d'un cran. Voilà, j'ai rallumé l'Alpha Lima là pour un peu plus de confort. Donc voilà, et l'Alpha Lima, ah oui, je suis en position 5 hein, quand même sur l'Alpha Lima. Hein. Voilà, mais bon, j'ai le ventilateur au fond là qui est allumé. On l'entend peut-être sur la vidéo, je sais pas trop, parce que c'est vrai qu'il n'est pas très silencieux. Ok, voilà, ça y est, je recadre à nouveau la vidéo. Voilà, c'est bon. Voilà, je vais... Oui, ok, j'ai perdu ce que tu... Dans mon baratin, j'ai perdu ce que je voulais dire. Yeah.
Gilles, il y a toujours cette station là que tu n'entends pas, là, qui t'appelle derrière. C'est bien dommage parce que lui, il aimerait bien pouvoir te parler, quoi. Oui, est-ce qu'on peut faire le QSP? Quelle est la station? Ok, je vais essayer, mais c'est pas, il n'est pas français, hein, je pense pas. La station qui appelle Gilles de Gatineau, quel est votre indicatif ou votre QTH? Ben, il parle plus. Bon, ben, c'est pas grave, il parle plus. Gilles, t'es toujours là ou la propague est tombée? Ah si, t'es toujours là. Je croyais sur le coup que la propague était tombée. Affirmatif, Gilles, ça devient très QRP de mon côté. On dirait que là, ce coup-ci, c'est à nous toucher à la fin. Il est 6h PM ici, là, en France. Donc, midi 20 chez toi, il va être l'heure pour toi d'aller manger, hein, d'aller au gastro solide. Là, ça devient très très compliqué, là, Gilles, pour arriver à t'entendre. Là, j'ai énormément de mal à t'entendre. Là, je suis en train là, de te perdre ce coup-ci. Donc, je vais t'envoyer, là, là, ça a l'air de vraiment de toucher à la fin, là, là pour aujourd'hui, à niveau propagation. Je vais t'envoyer les bonnes 73-51 à toi, ainsi qu'à tout ton QRA, et 212 à tout ton QRA. Ainsi que les 2713-51 à l'ensemble des stations qui sont en fréquence, qui sont en écoute derrière, ainsi que qu'à tout le groupe des tannants là, qui sont là sur ton secteur et tout. Et je te dis certainement à demain si Dame Propag le veut bien. Ok, merci. Là, tu verras sur la fin. Là, c'est très très petit, très très QRP. Ça touche effectivement à la fin. Merci. Bonne continuité de QSO. Bon QSO pour toi, pour vous tous, là-bas, au niveau local. A plus. Fréquence habituelle à Rémi Quintal.
Ok, affirmatif. Ben voilà, ça a remonté un petit peu. Dame Propag nous laisse le plaisir de pouvoir se dire au revoir là pour la fin de cette QSO là pour aujourd'hui. Donc les bottes 73, 51 renouvelées, 212 à vos QRA respectifs. Les bottes 73 à l'ensemble du groupe. Et bonne continuité pour vous autres au niveau local. À demain, peut-être. Ah, mais tu vois, j'ai fait tout ça pour l'ensemble du coup. Il n'y a pas besoin de faire tourner. Amy, à très bientôt, mon ami. Ok, merci, à très bientôt. Oh là là, ça commence à remonter, là. Ben oui, mais moi, je commence à avoir soif, moi, là, à force de parler, quoi. Et puis, en plus, pour être sûr que tu m'entendes correctement, je parle pas spécialement trop doucement non plus. J'y mets un petit peu le volume dans la voix. Ça tombe des watts supplémentaires. Non, ben alors, on va quand même arrêter là, puisque là, 6h25 PM de mon côté, donc midi 25 PM de ton côté. Donc tout le monde doit être parti au gastro solide. Je vous laisse tous. Bon après-midi pour vous autres. À très bientôt. Et je m'occupe là des vidéos là de mon côté. Il y a de quoi faire, il y a de quoi occuper les longues soirées d'hiver avec tout ce que j'ai fait là aujourd'hui à Chitroicou. Merci pour ce petit contact aujourd'hui, pour ce contact aujourd'hui. À bientôt. À très bientôt. Merci, bye. Tout simplement pour toi, Rémi. Je vois que vous aimez bien. Ouais, je me suis rendu compte que vous aimez bien les bips là, de votre côté. Et on est en train de reprendre un nouveau QSO. Allez, je coupe. À plus. Ciao, ciao. Ciao. Charlie 555 retour dans mode uniforme papa que c'est grec, ciao ciao.